Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Aujourd'hui, je me trouve dans la grande rade de Nouville, plus précisément sur le quai de commerce, là où tous les navires arrivent en Nouvelle-Calédonie pour déposer leurs marchandises. Si je me trouve ici, c'est pour vous présenter l'activité intense du port autonome, le plus grand port français d'outre-mer. Et tout de suite, je vous entraîne dans les coulisses de ce lieu impressionnant avec un invité de choix, le commandant de port, monsieur Jean Leden. Bonjour commandant. Bonjour. Enchanté. Alors dites-moi, ce sont beaucoup de navires qui arrivent et qui repartent ? Oui, l'année dernière, nous avons une fréquentation de 350 navires sur ce quai, sans compter les paquebots. On a eu 146 paquebots répartis entre la petite rade, donc au centre-ville, et la grande rade. Et ce sont des navires du monde entier ? Des navires du monde entier, principalement le trafic avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Asie. Mais on a des lignes également autour du monde est, de la CGM et autres. Donc commandant, ça importe et exporte 24 heures sur 24, de jour comme de nuit. J'imagine qu'il n'y a pas de jour férié ? Oui, le port est ouvert 24 heures sur 24 quand le bateau travaille. Si le bateau ne travaille pas, le port est fermé de 22h à 6h du matin. Qu'est-ce qu'on trouve comme marchandises principalement importées ? Principalement, bon, c'est beaucoup de divers, tout ce que Nouméa a besoin comme alimentation et produits finis, donc qui arrivent des pays asiatiques, de l'Océanie et de métropole également, bien sûr. Alors, je sais qu'on exporte beaucoup de nickel, mais qu'est-ce qu'on exporte d'autre ? On exporte du nickel qui arrive de la SLN, mais de moins en moins parce que certaines raffineries ont leur propre terminal, mais autrement, on exporte des produits à recycler. En conteneur vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Alors la zone géographique du port, j'imagine qu'il n'a pas été installé là par hasard ? Non. À Nouméa, il y a deux rades. La petite rade, où l'on accepte les petits bateaux, notamment les paquebots, dont la longueur est inférieure à 250 mètres. Mais la grande rade est le lieu le plus adapté pour accueillir les grands bateaux. Ces bateaux, commandant, ils ont besoin de pilotes, n'est-ce pas ? Oui, tous les navires d'une longueur supérieure à 60 mètres sont pilotés, à partir de l'extérieur de la passe jusqu'au poste à quai. Alors justement, le métier de pilote n'est pas forcément une activité très connue. C'est pourquoi je vous propose de regarder ce reportage sur un spécialiste du genre qui exerce cette fonction maintenant depuis une quinzaine d'années. Quant à nous, commandant, on se retrouve tout de suite après le reportage. On regarde ? Là, on va à la passe de Dombéa pour servir un petit porte-conteneur de Sofrane à Tourville qui arrive donc pour le port de Nouméa. On va aller à environ 2000 au large. Le bateau qui est déjà rentré en contact avec nous en VHF aura ralenti, il sera à 8 nœuds environ. Et avec la pilotine, donc on borde et on monte à l'échelle de pilote. Bon, évidemment, on va à la passerelle et dès qu'on est à la passerelle, on prend le bateau en charge et on amène le bateau à l'entrée de la grande rade au port. Bon. Je crois que de manière, il devait arriver plus tôt à l'origine et finalement, il a été reporté justement pour ça. Ah, d'accord. Je suis patron de pilotine pour le pilotage maritime. Donc en fait, nous, notre rôle, c'est de venir, d'amener, de récupérer les pilotes à bord des bateaux. Alors à bord, on est deux. Il y a le matelot et il y a le patron pilotine qui est capitaine. Good morning. How are you? Welcome on board. Thank you very much. Yeah. So far, so good? Yes. Okay, that's so okay. What's your course now? No, it's 040. 040, excellent.
Bonjour Yann, ça va, ça va. D'être pilote, c'est la dernière marche d'une carrière maritime. Le métier de pilote, c'est d'abord de conseiller le commandant, de l'aider dans son approche au quai, puisque les commandants n'ont pas du tout l'habitude de manœuvrer leur navire finalement. Donc ils comptent à 100%, à 90% sur le pilote. Les dangers nautiques sur une entrée d'Umbéa sont relativement peu nombreux. Je veux dire, il n'y a pas de gros changement de cap. Les vents sont pratiquement toujours dans le même sens, le courant également. Il faut dire que le balisage ici est très bien fait. Donc, si on suit les routes recommandées par le pilotage, il n'y a pratiquement pas de danger. La première qualité, je pense, c'est d'être un bon marin. D'être un bon marin, aimer son métier, aimer la mer, une excellente connaissance du milieu maritime en général, de la zone pour laquelle on est pilote, garder son calme et être préparé à tout. Voilà. Quand on est pilote, on ne vous demande pas de faire des belles manœuvres, on vous demande de faire des manœuvres qui soient sécurité. Sinon, la satisfaction, ça peut être aussi un coucher de soleil. Et moi, ça m'est arrivé de prendre un coucher de soleil, le prendre en photo et l'envoyer à ma femme en disant « Tu te rends compte, le boulot que je fais ?» Voilà, il y a plein de satisfactions. excusez-moi. Captain, 15 minutes notice, please. Oui, là je lui dis qu'ils ont besoin d'un quart d'heure de préavis pour commencer à ralentir. Ouais, bonjour. Finalement, on arrive d'ici un quart d'heure, hein, grand dame. Ok, aussi dans 15 minutes, on fait grand dame. Merci. Bon, dès qu'on arrive, en fait, à bord, on appelle le port, on appelle le remorquage pour être certain qu'il n'y ait pas de bug. Tout le monde est prêt, tout le monde attend le navire. Et voilà, et puis pour dire au commandant que tout est OK pour son accueil. Okay, merci. Ah, tu peux pousser meilleur derrière, pousse meilleur. Mets en tension minimum à déborder, s'il te plaît. Calculer de 400 mètres, ça serait. Dis donc, c'est tout de même impressionnant ce métier de pilote. Oui, le métier est impressionnant, mais bon, il faut savoir que le pilotage est obligatoire dans tous les ports du monde. La difficulté que peuvent rencontrer les pilotes ici, c'est quand ils doivent faire un accostage entre deux navires ou alors dans un espace très restreint. Là, ça complique l'affaire, surtout si c'est une mauvaise météo. Alors, commandant, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre métier, le rôle que vous avez au sein du port autonome ? Alors, mon métier, c'est de gérer la capitainerie du port autonome. Donc, on étudie toutes les arrivées, les prévisions d'arrivée et de départ de navires. Et avec les agents maritimes, on gère ces arrivées dans le futur. Et il y a un autre rôle aussi de la capitainerie, c'est de veiller à la sécurité et la sûreté du terminal. Donc, on a beaucoup de trafic de matières dangereuses et qui méritent toute notre attention. Comme par exemple des classes 1 qui sont des explosifs, des feux d'artifice. Donc, ceux-là, ces containers sont évacués du port dès qu'ils touchent le sol, dès qu'ils touchent le quai. Sinon, ils sont gardiennés dans une zone prévue pour. Commandant, quels sont les corps de métier que vous avez à votre charge ? J'ai les lameneurs qui sont une équipe de 8 personnes qui sont personnel port autonome, qui sont chargés d'amarrer et de larguer les navires quand ils accostent ou appareillent. Et j'ai 2 maîtres de port qui sont mes adjoints. Sinon, sur le terminal lui-même, il y a les aconiers donc qui travaillent sur les navires et sur le quai, qui chargent et déchargent les conteneurs. Et après, il y a plein tous les métiers concernant les escales des navires, comme les agents maritimes, comme les ship chandlers. Beaucoup de différents métiers. Commandant, on se retrouve un peu plus tard. Je vous propose tout de suite d'aller voir comment ça se passe dans la réalité, car pour qu'un bateau arrive à quai, il faut encore beaucoup de personnes pour le manœuvrer. C'est parti !
charge tout ce qui est haussière. On est sous les ordres du pilote. Et suivant la manœuvre qu'il veut faire, on envoie soit une garde ou une pointe ou ce qu'il veut. Ah, on a commencé par une garde. Une garde avant pour lui tenir le nez. Et après, on est parti envoyer les pointes avant dans la scorie. Ben, si vous voulez, à l'arrivée, les marins descendent les haussières. Nous, on passe à côté, on les attrape avec la chaloupe et on les amène à terre. À terre, c'est pris en charge par les lameneurs du port. Il y a des jours où c'est assez chaud. Il y a de la houle, du vent, c'est assez casse-tête. Moi, je suis lameneur, on appelle ça du lamanage, quoi. C'est-à-dire qu'on accoste les bateaux. Et c'est nous qui prenons les haussières du bateau et en communication avec le bateau. Ah, tous les métiers sont dangereux, vous savez. Toujours vérifier que les tensions des haussières. Regardez. Là, ils sont à 30 tonnes. Ils sont à 30 tonnes. Et là, nous, on fait attention que... On se met toujours de côté, jamais en face. Toujours de côté pour éviter l'accident. Et c'est en train de tendre. Le pilote, il est en train de faire pousser le bateau à faire venir sur le côté pour l'accostage, quoi. Doucement, puis ils s'entendent tendre en même temps que le remorqueur pousse le bateau. Alors là, on va faire le départ d'un navire là, à quai. Donc on va se présenter et on va attendre que le pilote nous appelle là. Oui, Tourville du Gaillac, bonjour Olivier, ok reçu pour ton ETA, dans une heure, merci. Oui, là, on va se présenter sur l'arrière du navire, là, l'arrière bâbord, et on va passer la remorque. C'est pas une manœuvre compliquée, mais c'est une manœuvre un peu... Ça peut être dangereux donc, au niveau de la remorque, hein, au niveau de la traction. Le remorqueur, il sert pour accoster les bateaux ou décoster les bateaux. Les bateaux, à partir de 60 mètres, sont obligés de prendre un remorqueur. Hein. La puissance des moteurs... Deux moteurs de 2000 chevaux. Hein. Ça fait 4000 chevaux pour les deux. Et pour l'instant, ouais, c'est ce qu'il y a de plus puissant là, pour les manœuvres, là, pour ce qu'on fait là. Et ça, c'est un métier qui me passionne depuis tout jeune. Quoi. Ben, c'est les manœuvres. Les manœuvres chaque manœuvre, c'est différent. Quoi. Good morning, how are you guys? Yeah. We'll see that. Hello. Hello. Welcome on board. Hi. Good morning. Hello. Je peux vous déranger un petit peu? Oui. Bonjour. Yeah. Bonjour, Antoine. Olivier, enchanté. Thank you. Je voulais savoir un peu ce que vous étiez en train de faire là. Bah avec le commandant, donc on était en train de finir les formalités d'arrivée en fait. Moi je suis agent maritime, je m'occupe de tout ce qui est liaison entre le navire et tout ce qui est remorquage, pilotage, la manœuvre ainsi que la chaloupe. Et donc c'est moi qui coordonne en fait l'arrivée du bateau et le départ aussi. Et donc là sur le Sofrana Tourville, qu'est-ce qu'on a comme marchandises? Généralement, c'est du conteneur et du vrac. Pas mal de ferraille, de bobines de ferraille, ainsi que pas mal de bois aussi, quoi. Voilà. Et des conteneurs, bien sûr. D'accord. Voilà. Oui, Olivier, est-ce que c'est possible de voir la marchandise un peu en grandeur nature, d'avoir un visuel, une voilà, vue à peu près du bateau, oui. Un peu de ce que vous avez à bord avec le commandant. Le commandant, ok. Yes. Yeah, yep. No problem. Ok. Thank you. Voilà. Là, on est vraiment à la passerelle. Et voilà la marchandise. Ah ouais, tout à fait.
Et alors, Olivier, concrètement, qu'est-ce que vous devez faire quand, lorsque la marchandise arrive ? Ben, lorsque la marchandise arrive, moi, je viens un peu avec le chef de la manutention, enfin, le manager. Je viens un peu superviser, voir un peu que les dockers fassent les ordres qui ont été donnés quoi, par le chef de la manutention. Moi, je viens juste suivre un tout petit peu pour voir que mon bateau parte avec les bonnes marchandises, les bons conteneurs, pas qu'il n'y ait pas d'erreur. Quoi. Je suis un peu sur le terrain aussi, j'aime bien. Je m'occupe aussi lorsqu'il y a aussi le break bulk, qu'ils appellent le vrac. Ensuite, il est déposé sur notre terre-plein. Ensuite, le chef de dock va vérifier cette marchandise et me remet un papier. Moi, je rédige un rapport d'avarie. Vous assurez du bon état de la marchandise pour le client. Merci à vous, Olivier. On va vous laisser travailler maintenant. Pas de problème. Merci beaucoup. Allez, au plaisir, hein. Au revoir. À bientôt. Voilà, le bateau est maintenant amarré. Avant de retrouver le commandant de port, je vous propose de découvrir tout ce qui se passe à quai. Vous allez voir, on se sent vraiment tout petit face à ces grosses machines. On regarde. Je suis donc le responsable manutention pour la Sofrana et donc je m'occupe de tout ce qui est chargement, déchargement des navires, des compagnies qu'on peut représenter ou dans ce cas présent de notre propre compagnie, la Sofrana. Concrètement, donc le port d'avant m'envoie des informations concernant les navires. Ces informations, logiquement, sont filtrées, corrigées, rectifiées par la personne qui est en charge du navire. Donc je reçois ces informations, je les traite, je les estime. De là, j'estime mon temps de travail, les moyens nécessaires pour mener à bien la mission. Et donc décharger le navire dans les temps impartis, sur des cadences données, etc. Et puis bah, on organise notre personnel qui est assez polyvalent. On a des gens de catégorie 3, 4 et 5 aussi parfois pour certains. Et donc qui ont un certain éventail de compétences. Et donc cette polyvalence me permet de les affecter à un poste ou à un autre en fonction du type de navire qu'on va avoir à traiter. Les moyens que je vais y affecter, donc mécaniques, les moyens matériels aussi, les grues et autres. Et donc tout ça, ça forme des équipes. On affiche le travail la veille au soir. Les gens donc, sont informés du travail qu'ils auront effectué le lendemain. Donc à l'ouverture du panneau, je vais constater l'état de la cale afin de m'assurer que la marchandise est en bon état. Donc toute la cale qui est là, c'est pour Nouméa. Et donc, je m'assure qu'il n'y a rien qui a bougé durant la traversée et qu'il n'y a pas de dégâts dans la marchandise. Donc là, avant de commencer les opérations et qu'on dessaisisse, je fais un état, un point de la marchandise et de son état. Et comme ça, au moins, les responsabilités sont clairement définies. S'il y a de la casse, qui aura cassé la marchandise ? Afin que le client à Nouméa puisse recevoir une marchandise dans le meilleur état possible. Donc là, vous voyez, c'est vraiment sécurisé. Il y a des sangles partout. Ça n'a pas bougé, quoi. Là, vous voyez les opérations. Là, il y a les équipes de Sofrana et d'Okers qui s'occupent de la décharge. Et bon, nous avons, comme vous pouvez le voir par vous-même, les élévateurs. Nous avons des décrocheurs. Nous avons aussi des gens qui sont sur le terre-plein, qui vérifient la marchandise, qu'elle soit bien en état, enfin qu'il y ait la bonne marchandise déchargée et qu'elle soit en bon état. Les dockers, ils s'occupent des opérations de déchargement. Ensuite, s'il peut être assigné à, je sais pas, il peut être décrocheur. Il peut être aussi dans la cale, accrocher la marchandise au spreader pour pouvoir la décharger. À la recharge, il sécurise les conteneurs. Un docker peut aussi s'occuper du dépotage de conteneurs. Il y a le gruté qui a lui la responsabilité de décharger les conteneurs ainsi que le divers en toute sécurité. Là ensuite, une fois que le conteneur finit de décharger, notre chef de dock va vérifier la marchandise, voir s'il y a des avaries. S'il y a des avaries, je vais faire un rapport d'avarie et le faire signer par le bord au départ. Je suis chef de dock. Chef de dock pour la délivrance des marchandises, pour la réception, les avaries.
arrimeur sur le terre-plein, quoi. Hein. Serrer les marchandises, faire les avaries, tout. Aussi, et délivrer avec les bandes de la douane, bandes douane et bandes de compagnie, quoi. Pour délivrer aux clients. Commencer, ben, j'ai commencé comme intérimaire, pour ainsi dire, ça doit faire environ 40 ans. Et après, on est rentré dans la société Sofrana, quoi. Chaque société d'aconnage avait ses propres dockers. Enfin, il faut surtout être polyvalent et puis bon, c'est un métier qui est des fois pénible, hein, mais autrement, non. Maintenant, avec le modernisme, ça s'est beaucoup mieux amélioré. Question sécurité, question matériel, question formation aussi. Maintenant, la plupart des marchandises arrivent tout en conteneur, tandis qu'avant, c'était beaucoup de la manutention de vrac. Ce métier, je l'ai appris ici à la Sofrana, grâce à des formations qu'on a suivies sur place. On a passé les CACES pour qu'on puisse être polyvalent, en fin de compte. On peut piloter toutes sortes d'engins, des 2 tonnes jusqu'aux 45 tonnes, et puis ben, les grues maintenant. C'est un métier qui est facile, il faut savoir faire attention, dangereux, même très dangereux. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Hein. Il faut avoir un peu de sérieux et vouloir avoir envie de travailler. Pour les jeunes qui cherchent du travail, ici, ils prennent les complémentaires quand il y a des bateaux, des navires qui arrivent. Ils viennent à 7 heures, ils sont embauchés pour la journée. Voilà, c'est un plus pour tous les jeunes qui cherchent du travail et qui veulent travailler un peu pour gagner un peu de pièces, quoi, s'en sortir. Moi, je m'appelle Ken, je suis docker ici à la Sofrana depuis là, ça fait pratiquement 3 ans. Et bon, on fait un peu de la polyvalence dans tous les domaines du travail. Sac routier, chauffeur d'engin, manœuvre à bord. Bon, c'est cool comme métier. Hein. C'est cool parce que voilà, c'est le poumon de la Calédonie, c'est le port qui fait vivre un peu la Calédonie. Donc voilà. Commandant, c'est quand même fou, hein, presque qu'on vient de voir, tout ce que ça génère, c'est une vraie fourmilière en fait. Oui, c'est impressionnant à voir, mais il faut savoir que tout est organisé, très bien coordonné. Tout le monde sait ce qu'il a à faire exactement. Donc il n'y a pas d'à peu près. Sinon, ça serait l'accident immédiat. Les flux maritimes s'intensifient. Donc comment vous faites pour répondre à cette augmentation ? Bon, il faut savoir que ce n'est pas trop le trafic qui est en augmentation, mais c'est la taille des bateaux. Nous sommes amenés à accueillir des bateaux maintenant qui sont obsolètes et on est amené à accueillir des bateaux qui seront beaucoup, beaucoup plus gros, avec des tirants d'eau plus gros. Donc il y a un projet d'ici la fin de l'année d'agrandissement du quai qui fait déjà 750 mètres à 1 km et dans l'avenir peut-être encore un agrandissement avec les dragages ad hoc qui seront faits par la suite pour accueillir ce genre de bateaux. Et on a aussi l'aspect touristique, il me semble. Oui, effectivement, les paquebots sont de plus en plus gros. Donc on est appelé à répondre à cette demande de fréquentation. Cette année, on a eu 146 bateaux et on s'attend à 165 bateaux, sinon plus. Donc on a des prévisions jusqu'en 2018 et avec, dans le futur, des bateaux qui seront beaucoup, beaucoup plus gros. Donc il faudra encore une fois répondre à cette demande, ne serait-ce qu'en tirant d'eau, fournir des tirants d'eau suffisants pour accueillir des bateaux de cette taille. Merci, commandant, pour toutes ces informations et surtout un grand merci de nous avoir permis de découvrir les coulisses du port et de nous avoir ouvert vos portes. Merci. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine, au revoir. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci au port autonome. Quant à nous, on se retrouve même jour, même heure, dans 15 jours, pour un nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt.